Grâce à son attractivité, Lyon Tech La Doye amène de plus en plus d'entreprises à s'installer sur le campus ou à proximité et tisse avec elles des liens privilégiés. C'est le cas de la société Econocom. Spécialisée dans les solutions digitales pour les entreprises, Econocom développe par exemple des tablettes pour prendre les commandes dans un hôtel ou encore des panneaux publicitaires intelligents qui détectent l'âge et l'humeur des consommateurs. Alors effectivement, c'est très représentatif de ce qu'on fait chez Econocom, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises dans tous les secteurs à se transformer et à intégrer la technologie, le digital, au sein de leurs process ou au sein des services qu'ils peuvent rendre aux utilisateurs finaux. Econocom aujourd'hui, c'est 9000 collaborateurs dans 20 pays dans le monde. C'est la 10e société de services informatiques en France. Et quand Econocom a déménagé, cette nouvelle adresse à Villeurbanne a immédiatement convaincu ses dirigeants. On a eu l'opportunité de trouver cet emplacement, ce bâtiment, qui nous a immédiatement séduit parce qu'en fait, il a la caractéristique d'être très proche de la Doye. Et en fait, on a immédiatement vu les passerelles que nous pouvions créer, tisser, les liens que nous avons tissés avec le monde universitaire. Grâce à cette proximité, Econocom a pu ainsi recruter de nouveaux collaborateurs et proposer des stages à des étudiants de Lyon Tech La Doye. Là, je termine la configuration des backups, ouais. Et puis après, ben, je lance tout ça, et puis c'est parti, quoi. D'accord. Comme Alexandre, élève ingénieur de l'INSA, ou Émilien de CPE, ils sont déjà une trentaine à travailler ici en alternance. J'avais souvent l'impression qu'il y avait vraiment un énorme trou entre l'étudiant et l'entreprise. Et au final, c'est pas forcément le cas, déjà à Lyon, du fait que dans le campus, on a vraiment ce principe d'avoir les écoles, comme la mienne, et tout de suite avoir les entreprises qui sont aussi directement dans le campus et qui sont liées, c'est un plus. Ouais. On a recruté cette année environ 1700 collaborateurs sur l'ensemble du groupe Econocom, ce qui est considérable. Sur la région Rhône-Alpes, on est également à la recherche permanente de nouveaux talents qui nous rejoignent. Donc la proximité d'un centre universitaire et d'écoles prestigieuses sur ce site très scientifique est évidemment un point important pour nous. Econocom envisage aussi d'héberger des start-up créées par des étudiants. Autour de Lyon Tech La Doye, notamment au sud du campus, se crée ainsi un territoire où se mêlent laboratoires de recherche, enseignement et activités économiques, sur le modèle des parcs scientifiques et technologiques à l'anglo-saxonne. Grâce à cette dynamique, Lyon Tech La Doye accueillera 3000 emplois supplémentaires sur le campus et ses franges d'ici 2025. Thank you.